suis sûre. Cet imbécile de Gianluca est pas foutu de faire l'ordre de paiement correctement. Putain, ça fait chier! Hey, la crasseuse. Vous n'avez aucun respect pour le travail des autres. Vous, les importants, vous pensez que tout vous est dû. Vous croyez que parce que vous avez fait de hautes études, les petits gens doivent être à vos pieds. Ce verre que vous avez laissé par terre, vous allez le regretter. Écoute, Tifa, c'est incroyable cette histoire de concierge. Ça fait une semaine que ça dure quand même. T'es sûre que c'était lui ? Sylvie, je suis pas débile. Je sais ce que j'ai vu. Il me poursuit, je te dis. Il m'en veut pour ce que je lui ai dit l'autre jour, j'en suis sûre. Mais calme-toi, Tifa. T'as appelé la police ? Ils m'ont dit que tant qu'ils me menaçaient pas physiquement, ils pouvaient rien faire. Ils m'ont même demandé si j'avais pas une tendance à la paranoïa. Tu te rends compte, Sylvie ? Tu les connais, les gars, comme ça. Ton concierge ? Il veut juste faire chier le monde. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, pas d'argent. Il vit dans une ville pourrie. Il a juste pas de vie. Mais où est-ce que tu vas ? Quand on m'attaque, je contre-attaque.
concierge, il n'y a pas de 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 concierge.